sera un match différent de contre le Racing, mais on a pu analyser un petit peu ça et donc on va s'adapter un petit peu, mais on va se concentrer aussi sur nous et sur ce qu'on doit mieux faire pour gagner ce match, ce premier match à domicile, quoi. Bon, ça va être costaud, hein. On sait que Paris, la conquête, bon, comme le Racing, c'est costaud, la mêlée c'est costaud. Ils ont des individualités, ils ont de beaux joueurs, quoi. C'est vrai que si on les laisse jouer, ça va être compliqué. Et il va falloir qu'on soit présent sur la conquête, sur la défense et jouer les coups quand il faudra les jouer, l'occupation. Un vrai match de rugby face à un gros du championnat aussi qui s'est bien renforcé. Bien sûr, c'est le premier à domicile. On sort d'une défaite. Même si tout n'a pas été à jeter sur ce match-là, c'est que ça reste une défaite à 0 points. Donc on aura à cœur de bien se préparer et figurer au mieux devant notre public. Alors, tout le monde est impatient, autant le public que les joueurs et les nouveaux aussi. Il y a quelques nouveaux qui vont certainement débuter la saison à Pierre Fabre, une nouvelle aventure pour eux. Et je pense qu'ils ont hâte de découvrir le public de Pierre Fabre. On est bien sûr conscient de la qualité de la troisième ligne du Stade français, du parquet d'avant du Stade français, qui était un des meilleurs des championnats la saison dernière. Donc voilà, après ils ont pas fait la saison qu'ils espéraient la saison dernière, mais c'est une équipe très revancharde cette saison. Et donc voilà, donc on est sur nos gardes. Voilà, c'est une équipe, on s'attend à un match très costaud. Hein, Stade français, c'est un des gros budgets du championnat, on le sait. C'est une équipe qui recrute chaque année beaucoup et qui a des gros joueurs dans son effectif. Donc voilà, on s'attend à un match très costaud, mais on se prépare bien. On sera prêt samedi pour jouer contre le Stade français. Ouais.